Since the mid-19th century we have known that if we alter the composition of the gases in the atmosphere we also alter its temperature this is the greenhouse effect 150 years on our knowledge of climate physics has become extremely accurate to the point where we can now model the climate les modèles de climat fondamentalement ce sont des laboratoires virtuels Donc ils servent à réaliser des expériences qu'on ne peut pas réaliser physiquement dans le monde réel. For example, what would happen if a forest burned down? What about if a lake disappeared? Or what if we just kept emitting CO2 into the atmosphere as if there were nothing wrong? Climate models make it possible to create these scenarios and predict their outcome in 10 or even 100 years. Le modèle crée un monde virtuel mais euh, on demande à ce monde virtuel de nous produire des euh, grandeurs qui sont observables dans le monde réel. Euh, en particulier, les, les modèles de climat modernes, ils incluent dans le modèle des, euh, des, des parties qui calculent ce que verraient des satellites si euh, le monde était tel que prédit par le modèle climatique. So, scientists are making speculation, but verifiable speculation, and since this field has been around for several decades, many of its past forecasts have already been confirmed. le LMD là-dedans, c'est le, le, le laboratoire qui porte entièrement le modèle, ou presque entièrement le modèle atmosphérique, et c'est un des laboratoires qui investit le plus sur la représentation en fait, des processus physiques, sur les nouvelles idées de schémas numériques, etc. Donc un laboratoire qui mène un travail de fond en fait, sur le développement de ces, de ces modèles de climat. Mais point de tout on est incité à travailler sur euh, l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire utiliser nos modèles pour essayer d'anticiper comment les climats vont se modifier sur les différentes régions du globe et comment il faut s'y préparer et s'y adapter. Indeed, the same models that predict the disasters that will occur if we continue to release CO2 into the atmosphere can also guide us towards the best decisions to take in order to limit global warming and perhaps one day reverse its effects.